3 minutes de gloire. Ah, J'adore trois minutes de gloire, mon Rémi, parce qu'on on, on permet de médiatiser des, des startups, euh, des, des PME, des petites boîtes, des artistes parfois, et on les suit de temps en temps. Il y en a qui deviennent célèbres, il y a des startups qui deviennent des, des grosses boîtes. Je me souviens, tu te souviens de Ma Petite Culotte ouais. C'était une, une, une jeune femme qui avait fait HEC, il me semble, ou en tout cas une grosse mmh, mmh. école de commerce, qui voulait révolutionner les codes de la lingerie féminine. Elle était venue chez nous, euh, elle avait lancé Ma Petite Culotte. Bon, voilà, c'était la, 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 la lingerie féminine. Qu'elle vendait, je crois, sur, un, sur internet mmh. et, et sa boîte est devenue super importante. Elle est venue chez nous au tout début. Donc voilà, alors aujourd'hui j'accueille Anthony Bourbon, fondateur de Feed F E E D. Bonjour Anthony. Bonjour. Qu'est-ce que c'est Feed Feed c'est un repas complet dans des formats pratiques en bouteille ou en barre qui vont vous apporter tout ce dont vous avez besoin. Euh, c'est pour les, les moments où vous êtes pressé, où vous n'avez pas forcément le temps de faire un, un repas traditionnel. Au lieu d'aller au fast-food ou de manger un sandwich qui n'a pas d'intérêt nutritionnel, euh, Fit va vous apporter des ingrédients sains, complets, euh, et vous n'aurez aucune carence et pas de faim jusqu'au prochain repas. Alors là, vous nous avez servi, Rémi et moi, dans un petit gobelet, euh, un, un petit liquide euh, beige. Euh, de, de quoi s'agit-il Je goûte. Alors, ça, c'est une boisson légumes du jardin. On a différentes recettes, sucrées et salées. Mmh. Ça va contenir des céréales, des fruits, des légumes en fonction flocons d'avoine, graines de sarrasin, farine de lin. Mmh. Que des ingrédients qui ont un index glycémique très bas, ce qui va permettre de répartir les nutriments pendant de longues heures et de ne pas avoir faim. D'accord. C'est un et... bon goût déjà. C'est un, bon, un bon goût et c'est pas grave. Ouais, oui. ouais, ouais. Alors celui-ci, euh, qu'est-ce qu'il a à l'intérieur ce... Alors celui-là, il a des flocons de céréales, euh, il a du flocon d'avoine, des ouais. graines de sarrasin de la farine de lin, des légumes. Bon, c'est pour l'urbain qui travaille au bureau, qui, a, qui, a, qui euh, tiens, aujourd'hui, lundi ou demain, mardi, n'a pas envie de, de sortir, se faire un déjeuner, qui n'a pas forcément beaucoup de temps. Donc le, le citadin au bureau, il... Il, est, il va choisir la solution que vous préconisez, euh, feed. Quoi, Exactement, c'est pratique, c'est pas cher. À partir de 2,50€, 2 vous pouvez faire un, un repas qui est complet et qui est équilibré. Mmh. Euh, et puis au moins, vous ne perdez pas de temps à faire une préparation, euh, faire euh, euh, des, euh, des duperware ou quoi que ce soit. D'accord. Euh, pour être très clair, Eric, euh, là, on a on, on, autre chose. C'est comme une barre de céréales, un peu plus voilà. gros, hein, une, grosse une grosse barre feed, de céréales, on va dire. Un, un, alors, euh, je, sur, la, sur la, le packaging, feed, un repas complet fabriqué en France, sans lactose, sans gluten, vegan. Bon voilà, alors... Et je... ça veut dire que si je mange ça... Le midi, cette, barre de, cette grosse barre de céréales, c'est comme si j'avais assez mangé pour, euh, pour, voilà. pour une, un déjeuner. Vous avez fait un repas complet, vous avez mm. 100% des apports nécessaires d'un mm. repas qui est équilibré. Donc, que ce soit en termes de protéines, de lipides, de glucides, de fibres, de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments. Il faut savoir qu'il y a 160 allégations médicales dans chaque produit feed. Ouais. Donc, euh, ça va ça vous faire que du bien. Ça a évidemment été étudié par des médecins. On est au pays de la bonne bouffe. Euh, immanquablement, j'ai envie de savoir ce que je mange. Là, je viens de c'est comme des gros carrés de, de chocolat c'est pas du chocolat bien sûr hein, mais je viens de briser un carré que, que je porte à ma bouche qu'un hein, a, a un goût intéressant mais nouveau pour moi euh, qu'est-ce que je mange là Là, c'est pareil, c'est toujours des ingrédients, des céréales. Vous avez la composition derrière. Okay. Euh, ça va être des graines de sarrasin, de la farine de lin, euh, de l'avoine, du riz. Euh, vraiment euh, des, des produits qui sont bons. On a un cahier des charges qui est très précis à savoir que tous les produits sont effectivement vegan, sans gluten, sans lactose, sans OGM. Euh, donc on participe aussi au respect de l'écosystème avec les produits feed. Il faut être précurseur et innovant. Certes, on est, aux de la, euh, non, on est au pays de la gastronomie. Pour autant, les études sont assez formelles. La dernière étude Estéban est qui vient de sortir euh, est assez édifiante. Un Français sur deux est en surpoids. Oui. Un tiers des Français ont des carences, notamment en fibres ou en vitamines. Ils ne font pas assez de sport. Et FID répond à tous ces besoins. Et on mange trop de produits carnés. Exactement, on mange beaucoup trop de viande. Quand on sait qu'un kilo de viande pour le produire, euh, ça consomme en gros 15 000 litres d'eau, mm. euh, en tant qu'humain, on a une responsabilité oh. et il faut trouver des solutions. Bon, euh, qui sont vos clients On l'a à peu près vu. Hein, c'est plutôt l'urbain euh, qui travaille, c'est ah. ça hein, Il y a hein. les urbains il y a les sportifs il y a aussi les gens qui font beaucoup de camping ou qui vont en montagne ça leur permet ouais. d'avoir des repas lyophilisés qui sont bons avec des recettes ah oui, variées c'est le, le bonheur de l'alpiniste ça c'est léger c'est concentré et Exactement. ça dans mon sac à dos euh, ou, ou de celui qui fait de la varappe ou de celui qui comme toi euh, marche dans les rues de Lille où ouais. ou il fait très froid et, et on peut toujours être surpris par la neige à oui. tout moment tu <laughs> <laughs> sais que je reçois régulièrement des lettres de gens qui, qui me disent d'arrêter de te chanter. mais c'est <laughs> pas des jours du Nord parce que les jours du Nord ont beaucoup d'humour ouais t'as raison, as ouais, raison. Ouais, ouais. Euh, Anthony Bourbon où est-ce est qu'on trouve les, vos produits parce que vous êtes une jeune start-up feed euh, on, ils sont déjà en vente ou quand, comment sur notre site internet principalement où vous êtes livré le lendemain euh, mais... ah oui oui alors ça c'est nouveau ça alors maintenant le, le type il veut faire sa, sa cure ou alors il veut voilà Paf, il commande sur Internet et, et, et il est et... livré très rapidement, ouais. à partir du lendemain. Euh, il peut aussi trouver les produits dans des, des partenaires distributeurs comme Franc Prix et on a d'autres enseignes de grande distribution qu'on annoncera très bientôt mmh. parce qu'il y a eu un vrai boom sur le produit et dès la première année, il y a eu plusieurs centaines de milliers de repas vendus et la, la GMS traditionnelle sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, que les gens mmh. ont envie de manger mieux différemment et du coup, ils nous suivent dans l'aventure. Donc vous l'avez dit, si je veux en savoir davantage sur Fit, je vais sur Internet et je vais sur FitSmartfood.com. FeedSmartFood.com Merci Anthony Bourbon, 29 ans, et bon vent euh, à, votre, à votre boîte, à votre start-up et à Feed.